un peu, j'espère. Eh bien, salut à tous mes petits. Vraiment bien, ça. Bon, aujourd'hui, on va dessiner Naruto dans plusieurs styles différents. Donc, il y aura de la BD, réalisme, manga, pop art. Et sur ce, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On n'a pas besoin de télévision, nous. On a mieux que ça. On a notre imagination. Bon, pour l'instant, mon croquis est vraiment pas mal. Je suis même satisfait du résultat. Donc, du coup, on va directement passer à l'ancrage. Bon, comme c'est du pop art, j'ai vraiment voulu faire un truc original. Du coup, j'ai même changé la couleur des cheveux de Naruto. Ça va peut-être faire bizarre, mais en vrai, je trouve ça stylé. Bon, on a fini la première partie qui, je vous le rappelle, est le pop art. Du coup, il nous reste encore 3 parties à faire. Et pour l'instant, je me débrouille plutôt pas mal. Donc du coup, restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat des 4 parties. Et allez, c'est reparti. Alors pour vous dire, quand j'ai voulu ancrer avec mon crayon habituel, il s'avéra que je n'avais plus d'encre. Alors je n'ai rien qui a tendance à baver et j'espère vraiment qu'il ne va pas baver. Parce que du coup, j'avais pas trop le choix. Bon, plusieurs personnes m'ont dit sur Insta que j'aurais pas dû ancrer mon dessin parce que ça n'était pas très réaliste. Mais bon, j'avais que ça pour délimiter les bords du dessin. C'est de toute beauté. On a fait deux styles, il nous reste deux styles. Et du coup, bien évidemment, maintenant, on passe à la bande dessinée. Donc voilà, on a quasiment fini le croquis du Naruto Cartoon. Et pour l'ancrage, on va essayer de faire des gros traits inspirés d'artistes BD. Et puis allez, c'est reparti. J'ai enfin fini la partie BD, je fais des signes bizarres. Bon, tout ça pour dire que je vais aller manger et on se retrouve maintenant. Ah oui, j'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. On est presque 28 000 et c'est incroyable. Donc voilà. Bon, pour l'instant, tout se passe bien pour la partie manga, c'est même la plus réussie des 4. Après, c'est vrai que c'est le style que je connais le plus quand même. Et oui, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. On est toujours en route vers les 500 abonnés. Et allez, à la prochaine.